Mesdames, Messieurs, Erev Tov, on est très contents. On se retrouve avec le professeur Noar Tanapika pour continuer à parler du Maharal de Prague. Et ce soir, on va essayer d'aborder le sujet de la galoute, les raisons profondes de la galoute, une fois qu'on a compris ce que c'est la Géoula et la galoute dans Netzach Israël. Bechavod. Voilà, on y est. Bonsoir, shalom, shalom, le kulchem, chodesh tov. Après que le Maharal nous a expliqué que Gaulut ou Geoula viennent ensemble, que ce sont deux notions parfaitement indissociables et que l'on comprendra l'une quand on comprendra l'autre, et c'était en gros le contenu du premier chapitre, et il nous a aussi expliqué que la notion de Geoula était une notion purement politique, puisqu'il s'agissait de revenir d'une situation où on n'est pas chez soi pour revenir chez soi, d'une situation où on est dispersé pour venir réuni, et d'une situation où quelqu'un d'autre a le pouvoir sur nous pour venir à une situation dans laquelle nous sommes indépendants. Ce sont les trois composantes de la Géoula telles que le Maharal nous les a expliquées dans le premier chapitre, en nous donnant aussi quelques explications qui étaient sur la forme des lettres et la forme du Dalet, le Hei, et la dispersion exprimée par le Dalet et la réunion qui est exprimée par le point central qui est dans le Dalet pour fabriquer un Hei et qui va exprimer le fait qu'il y a encore dans le peuple juif une force centralisatrice qui va permettre à tous les dispersés de se réunir. Ça, c'était plus ou moins dit en moins d'une minute le contenu du premier chapitre. Résumé en une minute, quelque chose qui nous a pris trois rencontres, c'est pas si mal que ça. Et on a commencé le deuxième chapitre dans lequel le Maharal nous expliquait que, chose que nous avons, que nous véhiculons depuis très longtemps, parce que c'est comme ça que nous avons été, je ne sais pas si je dois dire que nous avons comme cela été instruits ou éduqués, vous comprenez la différence, et que la galoute est une conséquence de la faute. C'est vrai que quand on le regarde dans un certain nombre de versets, en particulier dans Parashat Nitzavim, où Akadosh Baruch Hu dit Vaeshlichem Eretz Acheret Kayom Azeh, je les expédierai dans un autre pays, dans une autre terre. On le voit dans ces versets-là comme une conséquence de comportements extrêmement négatifs et de fautes très graves qui sont venues. Donc on a effectivement cette idée-là que la galoute est une conséquence de la faute. Mais le Maharal, et c'est ce que nous avons vu lors de notre dernière rencontre, vient nous dire bon, d'accord, mais pourquoi y a-t-il une faute? Et on comprend assez mal qu'il puisse y avoir une faute, si vous vous souvenez des exemples qu'il avait donnés, il nous a ramené le verset Yada Shor Koneu, Vechamor Ibus Be'alav, Israël lo Yada Ami lo Idbonan, un taureau connaît son maître. Et l'âne connaît la mangeoire de son maître aussi, de son propriétaire. Israël loyada, Israël n'a pas su. Ami loïd bonan, mon peuple n'a pas fait attention, ne s'est pas concentré là-dessus pour essayer de comprendre. Et le Maharal nous a expliqué la différence qu'il y avait entre un taureau et un âne, en disant yada shor koneo, le taureau connaît son maître. Il y a une relation entre le taureau et son maître. Qui est une relation assez proche, une relation de connaissance. Il sait qui est son maître et il se comporte en conséquence, alors que l'âne, lui, n'en sait rien, il n'a strictement aucune relation, mais simplement je pourrais presque dire, il est guidé par son estomac. Il sait que là, on lui fait du bien, que là, c'est là qu'il va trouver sa pitance. Et donc, le taureau, lui, va, disons, respecter son maître parce qu'il le connaît comme son maître. Et c'est ce que le Maharal nous a expliqué en nous parlant ici de Yir'a. Alors que l'âne, lui, ne connaît pas son maître, mais il a des sentiments pour celui qui lui fait du bien. C'est pas le maître qui l'intéresse, c'est le bien qu'il en reçoit. C'est la nourriture qu'il reçoit de lui. Et c'est ce que le Maharal vient nous donner en parallèle avec la Ahava. On va retrouver ce genre de choses-là. Et en fait, le prophète Jérémie, Yeshaya, pardon, Isaïe, le prophète
se plaint de deux choses qui sont sur deux niveaux différents, à savoir que Israël Loyada, Loyada c'est en parallèle avec Yada Shorkoneo, Israël n'a pas su, et il y a cette connaissance, c'est pas une connaissance intellectuelle, le mot connaissance, même le mot savoir ne correspond pas du tout à cette idée-là, et c'est ce que nous avions dit la dernière fois, Yada, c'est au sens de Ve'ha'adam Yada et Hava Ishto, la connaissance qu'on appelle connaissance biblique est quelque chose d'extrêmement intime. Ce n'est pas une connaissance intellectuelle simplement, mais c'est quelque chose d'extrêmement intime, comme la relation entre un homme et sa femme, Ve'ha'adam Yada et Hava Ishto. Ça, c'est en parallèle avec le Yada Shor Koneu, de la même façon qu'en parallèle avec le Hamor et Vous Be'ala, l'âne qui connaît la mangeoire que lui procure son maître. Ami Loed Bonan, on n'a même pas cherché à savoir, c'est savoir d'où vient la nourriture. Ceux d'entre nous qui ont un animal de compagnie savent très bien que cet animal est capable de lire sur notre comportement si nous sommes en train de lui apporter à manger ou pas. Il y a donc quelque chose de double qui se présente là, cette chose double va devoir être expliquée en fonction du parallélisme avec le taureau et un parallélisme avec l'âne. Mais on va voir aussi que dans la deuxième partie du verset, Israël Loyada, c'est Israël qui n'a pas su, mais après Ami Loïd Bonan, et même s'il y a une plainte contre Israël, c'est Ami, c'est mon peuple. Ça n'est pas c'est ce qu'on va voir chez d'autres prophètes comme Oshéa ou autres, dans lesquels Akadosh Baruch Hu va dire Lo Ami Ata. Il y a une négation du fait d'être le peuple d'Akadosh Baruch Hu, ce qui n'est pas une situation idéale. En réalité, on sait très bien que Afalpi Shechata Yehudiou, quand on parle des individus, bien qu'il ait fauté, c'est quand même un juif. Le fait de fauter, ça ne fait pas expulser la personne du peuple juif, mais malgré tout, il y a quelque chose qui est incorrect dans le comportement. Et c'est ça qui est le fondement de la question que le Maharal traite dans ce chapitre-là. Comment c'est possible? On parle de quelqu'un qui est ami, c'est mon peuple. Et Akadosh Baruch Hu le considère comme cela, de la même façon que plus loin, pas plus loin, bien avant ça, dans la Torah, dans Devarim, il a dit « Béni Bechori Israël ». Non, « Bani Matem Lachem Elokechem », c'est ce qui est marqué dans Parashat Vaetranan. « Béni Bechori Israël », c'est déjà au début du livre de Shemot. Il y a quand même un lien qu'Akadosh Baruch Hu proclame et qui fait que ce qui est énoncé là est un petit peu particulier. Peut-être que pour qu'on comprenne par la suite, et on reprendra là où on s'était arrêté, peut-être qu'il faut que je rajoute un peu quelque chose, un rappel. Je ne suis pas sûr que je l'avais dit en entier la dernière fois. J'avais fait référence au premier chapitre du livre Ori Veishi du Rav Harlap. Mais la référence que je veux faire maintenant est probablement différente de celle que j'avais rapportée la dernière fois. Le Rav Harlap fait la distinction entre ne pas accomplir une mitzvah assez, un commandement positif, et transgresser un interdit. La avor al mitzvah lot assez. Et il fait ça avec ce que les Chachamim nous disent. L'ensemble de la Torah, les 613 mitzvot de la Torah, ce sont 248 mitzvot assez, commandements positifs, fait comme ceci, fait comme cela, et 365 mitzvot lota assez, 365 interdits de la Torah. Et les Chachamim mettent ça en parallèle avec les 248 organes du corps humain face aux 365 guidim. Alors guidim, on traduit ça quelquefois par des nerfs. Souvent guidim, c'est plutôt des tendons, mais enfin bon, on va accepter l'explication des nerfs de la façon suivante. Quand quelqu'un a une activité physique, et qu'il va courir, il va faire de la musculation, il va, peu importe quel sport il va pratiquer, quelque chose qui va progresser, il va être plus musclé, son corps va être va être mieux portant, disons. D'un autre côté, quand quelqu'un respecte les interdits, qui respecte, c'est pour ça que j'ai préféré vous parler de nerfs, oui, il ne s'énerve pas, disons.
Oui, alors on conserve une certaine situation, mais on n'avance pas. Oui, l'observation des, ou l'observance des mitzvot lota ase, c'est une conservation d'une situation existante, mais sans forcément changer. Oui, quand on dit de quelqu'un, ah, c'est quelqu'un de bien, il n'a pas tué, il n'a pas volé. Bon, c'est très bien de ne pas tuer, de ne pas voler, mais enfin, ça ne fait pas tellement avancer le schmilblick. Ne pas tuer, ne pas voler, c'est ne pas détruire quelque chose. Alors que quelqu'un qui fait des choses positives, dans le cas de la comparaison avec le corps humain, ce serait par exemple de s'entraîner, de marcher, de faire des exercices de respiration, de faire des choses qui font que le corps se porte bien ou même se porte mieux. Ben ça, c'est en parallèle avec les mitzvot asé, parce que quand on accomplit une mitzvot asé, alors on fait quelque chose qui fait progresser. Oui, quand on met des tefillines, quand on écoute le shofar, quand on prend le loulav dans ses mains, tout ça, ce sont des choses qui font avancer quelque chose. Alors, quand on ne fait pas une mitzvot asé, alors il y a quelque chose qu'on ne fait pas avancer, il y a un progrès que l'on ne fait pas, mais en tout cas, on n'a rien détruit, on n'a rien abîmé. C'est pour cela que la conséquence d'une non-application d'une mitzvah tassé, eh bien, la conséquence est à peu près nulle. Simplement, la Torah, les Chachamim nous disent que s'il commence à faire cette mitzvah-là, el nozaz mimekomo ad shemochalim lo, c'est-à-dire que dès qu'il commence à appliquer la mitzvah en question, eh bien, on lui pardonne sa non-application précédente. Alors que quand quelqu'un transgresse un interdit et qu'il veut faire tshuva, en réalité, il doit faire deux choses. Et il doit, d'une part, réparer la faute qu'il a faite. S'il a volé, il faut rendre ce qu'il a volé. S'il a tué, c'est d'ailleurs beaucoup, beaucoup plus problématique parce qu'il ne va pas être capable de ressusciter le mort. Mais en plus de cela, il doit aussi apporter un korban, il doit apporter un sacrifice. Ou bien, dans d'autres cas, prendre des coups. Quelqu'un qui aura mangé des nourritures interdites, il prendra des coups, makot, erbaim yaken lo yosif, mais c'est pas forcément une peine de mort, c'est pas forcément un korban, ça dépend de la gravité de la faute et de ce que la Torah a décrit. Alors pourquoi cette différence là? Eh bien, tout simplement parce que vient nous dire le Rav Harlap, si quelqu'un n'applique pas une mitzvah positive, il n'accomplit pas une obligation de la Torah. Eh bien, c'est sa façon à lui de dire que, en gros, ce qu'Akadosh Baruch Hu peut dire, les ordres qu'il peut donner, ça ne l'intéresse pas. Et le Rav Harlap appelle ça une révolte contre Dieu. Quand quelqu'un enfreint un interdit de la Torah, il y a deux choses. Cet aspect de révolte contre Dieu existe, puisqu'il n'accomplit pas un commandement que Dieu a donné, c'est le contraire, mais en plus de ça, il provoque un dégât. Et donc, dans cette différence-là, quelqu'un qui a enfreint quelque chose doit réparer le dégât qu'il a provoqué et en plus il va apporter un korban où il y a d'autres conséquences qui vont être elles la conséquence de sa révolte contre Kadosh Baruch Hu. Quand il n'accomplit pas une mitzvah positive, il n'y a que l'aspect de révolte et c'est pour ça que la tshuva est plus facile. Tout ce que je vous ai dit là, c'est pour un individu, une personne qui a fauté. Maintenant, quand il s'agit de l'ensemble du peuple juif qui faute, alors, on se retrouve avec des échelles plus vastes et des conséquences plus vastes. Bon, le peuple juif qui ne fait pas Pessah, c'est très gênant. Il y a un très bel article du Rav Goren dans son livre Moadé Israël, dans lequel il décrit, vous allez bien entendre, les 7 fois que Israël a fait Pessah comme il faut avant la destruction du Temple. Vous avez bien entendu, des centaines d'années. Et pourtant, Pessah n'a été fait comme il faut que 7 fois. Oui, et malgré tout, Akadosh Baruch Hu n'a pas sévi. Ce n'est pas là-dessus. Ce n'est pas pour ça qu'Akadosh Baruch Hu a sévi. Il a sévi pour d'autres raisons. Et quand je dis qu'il a sévi, il nous a expédié en galoute. Et donc, maintenant, dans toutes ces fautes-là, et quand je parle des fautes que l'individu peut commettre, j'ai bien dit que pour certaines transgressions d'interdits, la conséquence peut être une peine de mort. Quelqu'un qui a tué, en sachant très bien que ce qu'il allait faire, c'est un crime épouvantable, que la Torah interdit et que la conséquence en est la peine de mort pour l'assassin,
c'est une chose, mais si c'est Am Israël tout entier qui fait quelque chose comme ça, est-ce qu'il peut y avoir une peine de mort sur l'ensemble d'Am Israël? Ben, la réponse est non, et je pense que ça, on l'a déjà vu. C'est dans la bracha que nous faisons à la fin de chaque Amida de Yom Kippour, quand nous disons « Melech mochel vesoliach la avonotenu, pe la avonot amo Israël, ou mavir hachmotenu bechol shana veshana », alors, il y a Avonot qui sont décrites comme Avonotenu et Avonot Amo Israël, un certain type de transgressions qui sont nos transgressions à nous, les individus, et les Avonot de Am Israël. Il y a des fautes qui sont des fautes de l'individu et d'autres qui sont des fautes du peuple tout entier. Oui. Les fautes de l'individu, je n'ai pas besoin de m'étendre là-dessus, tout le monde sait de quoi il peut être question. Les fautes du peuple tout entier, ben, ça peut être des. Abandonner Eretz Israël, ça peut être ne pas faire ce qu'il faut pour développer Eretz Israël, l'abandonner au goyim ou des choses comme ça, c'est une faute collective, ce n'est pas une faute individuelle. L'individu a une part là-dedans, mais la faute est. Oui, on voit bien ce que les prophètes disent dans un certain nombre de circonstances. Et alors, il y a Avon et il y a Avonot, Amo Israël, mais Ashmoté, nous, ce sont des fautes qui, elles, peuvent entraîner un anéantissement. Klaya. Mais ça, c'est seulement pour l'individu et ça n'est pas pour le peuple. Il ne peut pas y avoir de fautes qui vont entraîner un anéantissement du peuple juif. Si vous vous souvenez de ce que, il n'y a pas très longtemps, il y a quelques années, nous chantions dans les manifestations Amanetzach, Enenu, Pochet, Miderech, Aruka, Israël et Amanetzach, c'est le peuple de l'éternité. Et donc, comme l'éternité parle à travers nous, il est impossible que le peuple d'Israël disparaisse. Bon, une fois qu'on a énoncé tout cela, on va être obligé d'en revenir maintenant à ce que nous dit le Maharal et de revenir avec ces idées donc de ce qui s'est passé, de ce qui peut se passer avec Yada Shor Kone, où donc le taureau connaît son maître, Israël lo Yada. Israël donc ne savait pas qui est son maître. L'âne connaît la mangeoire, l'auge de son propriétaire. L'un, c'est parce qu'il a vraiment une relation avec son maître. L'autre, c'est parce qu'il a quelque chose qui est au niveau du bénéfice qu'il en a. Le maître ne l'intéresse pas. Ce qui l'intéresse, c'est à cet endroit-là, on me donne à manger. Et donc, je vais reprendre ici. Vachor Makir. Là où j'indique, Vachor Makir et Adon Veyarem Ipanav, le taureau connaît son maître et il en a une certaine crainte, ou le kach il keberetsua shel egel. C'est pour cela que, nous dit la Gemara, quand quelqu'un doit être frappé, les fameux 39 coups que quelqu'un reçoit pour une transgression, pour certains types de transgressions, eh bien, la Gemara dans Maseret Makot nous dit que les coups lui sont administrés avec une sangle faite en peau de bœuf. On aurait très bien pu prendre autre chose, mais non, on prend une sangle en peau de bœuf, justement à cause de ce verset-là. Yada Shor Kone, la personne qui reçoit ses coups, c'est quelqu'un qui donc s'est un peu rebellé contre la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Pour cette rébellion, il est puni par là où il a fauté. Ou le kach il kebe retsua shel egel. Aval lo shayach she'en makir atova she'esh melot ha'aseh. Mais on ne peut pas ici dire qu'il n'a pas eu conscience du bien qu'il avait de l'observance d'une mitzvah négative, d'un interdit. Chez En de l'Otaase Tashlum Sahartov, parce que pour l'accomplissement d'une mitzvah l'Otaase, il n'y a pas de récompense. Mais quand quelqu'un fait quelque chose de bien, alors il reçoit une récompense. Quand il ne fait pas quelque chose de mal, bien, bon, il ne se passe rien, c'est tout. Quelqu'un qui n'a pas volé, bien, on ne va pas. On ne va pas lui donner une récompense pour ne pas avoir volé. Mais en revanche, si quelqu'un a, on le voit quand les enfants dans les écoles, quand ils ont fait une bonne action, eh bien, à notre époque, on nous donnait une image. Quand les enfants montent sur la teva pour dire Yimlor le Shabbat matin avant la rentrée du Sefer Torah, eh bien, il y a quelqu'un qui est là et qui leur donne un paquet de bonbons ou un bamba ou un bisli, est-ce que je sais. Mais il a fait quelque chose de bien, il en a une récompense. En général, on n'a pas une récompense pour ne pas avoir fait quelque chose de mal. Ne pas avoir quelque chose de mal, c'est apparemment un petit peu plus naturel, mais surtout l'absence de récompense pour cela fait en sorte qu'il n'y a pas de connaissance du bien qu'il y a en observant un interdit.
Maintenant, le Maharal continue en nous disant Ve'ikar ha-sachar, l'essentiel de la récompense, ou al-kiyum mitzvah tase, c'est pour l'accomplissement d'une mitzvah positive. Que les mouchar de perek kama de Kiddushin, comme il est indiqué dans le premier chapitre de la Gemara de Kiddushin, et là-bas il est dit A-ose mitzvah achat metivim lo. Toute personne qui accomplit une mitzvah, donc là on parle d'une mitzvah positive, oui, alors il en a quelque chose de bien qui en découle. Aresh akatuv omer ki davar pele hu shelo yiyeh beYisrael adavar shenimtza bebaalei chayim ativiyim shebetivam nimshachim achar hayiraa min haadon ulehakira tov. Et donc nous dit le Maharal, c'est quand même assez extraordinaire que n'existe pas en Israël ce qui existe chez les animaux, à savoir que dans leur propre nature, ils vont être dirigés par la crainte qu'ils ont de leur maître ou bien par la reconnaissance qu'ils peuvent avoir pour les bienfaits qu'ils en ont. Alors pourquoi ces choses-là n'existent pas? Ben c'est de ça justement que le Maharal va nous parler. Là, dans les lignes écrites avec une autre couleur, c'est cette citation-là de Maseret Kiddushin plus élargie, c'est en fait c'est une Mishnah là-bas. Quand on se mitzvah achat mitivin lo ou marichin lo yama venochel et haaretz, une personne qui accomplit une mitzvah, il en reçoit une conséquence positive, ses jours se rallongent et il peut recevoir la terre. Alors, bon, pour recevoir la terre, certains commentateurs disent que c'est une façon d'exprimer le fait qu'il a une part au Olam Haba, au monde futur. D'autres commentateurs disent que non. Se comporter de façon positive et accomplir les commandements positifs de la Torah, c'est ce qui assure notre possession de la terre d'Israël. L'école chez nous aussi mitzvah arad, et quiconque ne fait pas une mitzvah comme cela, en mitivim lo, il n'en a pas de bénéfice, en marichinu yamav, on ne rallonge pas ses jours, et on ne reçoit pas la terre. Kol sheyeshno bemikra ou bishna ou derech eretz, et ainsi de suite. Bon, c'est pas pour maintenant. Alors le Maharal va continuer en nous citant une autre Gemara qui est dans le premier chapitre du traité de Ta'anit et qui dit la chose suivante. Amar le Rabbi Yitzhak, Ma'ud irtiv ki shtaim ra'ot asa ani. Mon peuple a fait deux mauvaises choses. Oui. C'est le même chapitre que celui où on a eu d'autres versets que l'on a lus. Et ki shtaim ra'ot asa ani, mon peuple a fait deux mauvaises choses. Et alors la Gemara de poser la question. La Gemara, c'est Rabbi Yitzhak. Tartin ou Deave? Seulement deux choses. Et serait Tartin, Shavu Kuleu. En réalité, c'est 22 choses que Israël a abandonnées. Achi Amar Rabbi Yochanan. Et voilà ce qu'a dit Rabbi Yochanan. Achat Shehishkula Keshtaim. Une faute, en fait, qui est double. Une faute qui en vaut deux. Umainihu. Et de quoi s'agit-il? Avodazara, l'idolâtrie. Dirtiv, Oti azvu makor mayim chayim, lachtsov lahem borot nishparim. Parce qu'il y a un verset qui dit, ils m'ont abandonné, moi qui suis la source d'eau vive, et ils sont allés se creuser des puits, mais des puits qui sont en fait des puits cassés, des puits détruits. Urtiv, ki avru iye kitiyim. Alors la traduction vous l'avez là en bas, et même si on la voit, c'est un verset un peu curieux. Car passer aux îles d'Équitéen et regarder, envoyer à Kedar et observer attentivement, voyez si pareille chose est jamais arrivée. Bon, de quoi s'agit-il là? On va être obligé de regarder un petit peu plus loin et un peu plus à fond dans ces versets c'est eux qui vont nous occuper maintenant. Tana, et on nous enseigne, si vous regardez un petit peu Rachid, les choses que j'ai écrites coloré en rouge dans les lignes d'en bas, c'est exactement cette chose-là que Rashi va nous rapporter et dont la source est ici dans la Gemara. Kutiim ovdim la esh vekadarim ovdim la maim. Graf al gav sheyodim shamaim mechabim ha esh lo hemiru elohem ve'ami hemir kavod belo yoil ad kam. Donc il vient nous dire kutiim, c'est pas kutiim comme il est marqué là dans la Gemara, le vav est en trop. C'est Kitiim, ce sont des gens qui habitent une certaine île, mais Ovdim la Esh, et Kadarim, Ovdim la Maïm.
Si on va chercher parmi les commentateurs, ils vont nous dire que les Kittiyim, ils habitent dans une île, donc ils sont entourés d'eau, ils ont énormément d'eau, et Ovdim la Esh, et ils révèrent, ils vénèrent l'eau. Leur idole, c'est l'eau. Les Kadarim, ils habitent dans le désert, donc le feu ne leur manque pas, mais l'eau leur manque, et ils adorent, au sens religieux, ils adorent l'eau. Et bien que ceux-ci sachent que l'eau éteint le feu, et bien malgré tout, ils n'ont pas abandonné leur adoration du feu au profit de l'adoration de l'eau. Et donc, ce que vient nous dire la Gemara, c'est quand même curieux. En fait, si on va regarder chez les peuples, eh bien, ils n'abandonnent pas leurs idoles aussi facilement que ce qu'on pourrait croire. C'est vrai qu'il y avait une politique à l'époque, à l'époque antique, quand un peuple conquérait le territoire et donc un autre peuple par la même occasion, il lui imposait ses propres idoles et fréquemment ça pouvait arriver que finalement le peuple qui était conquis, il acceptait ce changement d'idole parce que si un peuple a vaincu un peuple B, ça signifie que les dieux de A sont plus forts que les dieux de B, donc on abandonne ceux de B pour aller vers ceux de A. Mais ce n'est pas toujours arrivé. Il y a eu des cas où ça n'était pas le cas, et ça, c'est l'un des cas justement que Yirmiyahu nous raconte, en disant, regardez bien, les gens de Kedar adorent le feu, mais ils savent très bien que l'eau éteint le feu, donc l'eau devrait être plus forte, et malgré tout, ça n'a pas marché. Ce processus de changer de divinité parce qu'on en a trouvé une qui était plus forte, est un petit peu décrit par le Rambam au début de Hilchot Avodah Zara, quand il décrit un certain nombre d'étapes qui ont amené en fait, l'humanité à être idolâtre, ce qui en soi est très étonnant. Le Maharal ne vient pas nous en parler, il est complètement focalisé sur le peuple juif, donc il ne vient pas nous parler de ce phénomène-là. Mais une humanité qui a commencé avec Adam et Chava, et donc une proximité extrêmement forte avec Akadosh Baruch Hu, en quelques générations, c'est ce que l'on voit à travers les noms des fils de Caïn, on voit la situation se dégrader et les gens s'éloigner, et le Rambam nous le décrit. Et ça pourrait être très bien une description qui ressemblerait à la chose suivante. Il y avait certains qui étaient des adorateurs de la lune, mais est arrivé le matin, la lune a disparu au profit du soleil. Donc, ils se sont convaincus que, bon, d'accord, la lune est une divinité, mais de ce qu'on rend, le soleil est une divinité plus importante, donc c'est lui qu'on va adorer. Et donc, ce genre de démarche-là. Et pourtant, là, vient nous dire Yirmiyahu, cette démarche-là n'est pas la bonne, on ne la remarque pas, on ne la rencontre pas. Et donc, il est incompréhensible qu'Am Israël, qui aurait dû connaître Akadosh Baruch Hu comme un taureau qui connaît son maître et donc en avoir une crainte, pas une peur, une crainte révérentielle, eh bien, il ne l'a pas. Et au moins, il aurait pu être comme l'âne qui sait d'où lui vient le bien qu'il reçoit, au moins avoir cette reconnaissance du ventre. Et même ça, il ne l'a pas eu. Et c'est de cela que Isaïe, dans le verset qu'on a cité plus tôt, était quelque chose d'un peu étonnant. Il y a dans ce texte de la Gemara et dans Rashi quelque chose de encore un tout petit peu plus profond et il va nécessiter qu'on aille un petit peu de l'avant. Le Rav Cherki, à la suite de Manitou, explique que un peuple cherche en général ce qui lui manque. Et qu'il va se chercher une divinité qui doit représenter ou qui doit lui apporter ce qui lui manque. Et il fait remarquer que sont sorties du judaïsme deux religions extrêmement importantes et qui toutes les deux prétendent à l'universalité. L'une, c'est le catholicisme et l'autre, c'est l'islam. Le catholicisme, d'ailleurs, dans son nom lui-même, ça vient d'un mot grec qui veut dire universel, il pense à être la religion universelle. Et l'un comme l'autre sont des religions qui se veulent universelles et conquérantes. Et malgré tout, l'une comme l'autre sont cantonnées dans des territoires extrêmement bien définis. Le catholicisme est identifié par les Chachamim avec les héritiers de Esav et de Edom,
Donc, dans les écrits rabbiniques, on va décrire la chrétienté comme les descendants de Édom ou les descendants de Ésav. Et c'est ce qui va donner, avec un certain nombre de générations, l'ensemble du monde et de la culture occidentale. Ce n'est pas un hasard, d'ailleurs, si la France s'appelait elle-même la fille aînée de l'Église. Cette culture de Édom, cette culture occidentale, on va la retrouver, on la retrouve essentiellement en Europe et dans ce qui sont les rejetons de l'Europe, à savoir l'Amérique du Nord, même probablement l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud, et qui en ont fait une espèce de syncrétisme avec les cultures locales et les idolâtries locales, encore que certaines idolâtries anciennes, comme celle des Aztèques et des Mayas, on pense qu'elles ont plus ou moins disparu, il semblerait qu'il en reste encore un peu quelque chose quelque part. Et donc des adorateurs du soleil, il y en a encore en Amérique centrale et en Amérique du Sud, pas beaucoup. Ceux qui ont envie d'en savoir un peu plus n'ont qu'à lire Tintin, le temple du soleil. L'islam, lui, est extrêmement présent dans d'autres pays, essentiellement les pays d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient, mais aussi un petit peu plus à l'Est, dans des pays comme la Malaisie ou l'Indonésie ou autres, avec quand même là-bas des caractéristiques légèrement différentes de celles que l'on va rencontrer dans le Maghreb ou dans les pays du Moyen-Orient. Alors c'est très curieux de voir deux religions qui sont des religions qui se veulent universelles et qui en réalité sont circonscrites à des territoires vastes, au demeurant, mais malgré tout bien défini. Et l'islam essaye encore de s'étendre, le catholicisme pas franchement. Et ce sont les deux religions filles du judaïsme qui sont comme cela. Et simplement, si on essaie de voir pourquoi la situation est celle-là, et bien tout simplement parce que si on regarde les peuples européens, ce qui a toujours caractérisé les peuples européens, c'est une violence extrême, une propension monumentale à la guerre et à verser le sang. Et donc, quand quelqu'un est venu en leur parlant d'un Dieu qui est tout amour, et alors on s'est précipité là en pensant que c'est lui qui va nous apporter ce qui nous manque. En terre d'islam, la situation culturelle standard était différente. L'islam est arrivé à un certain moment, mais ses peuples existaient déjà. La Gemara nous parle déjà d'arabe et des habitants de ces pays-là, ils avaient d'autres caractéristiques. Et quand est arrivée une annonce, mais une annonce comme ça, c'est en fait c'est un concept chrétien. Quand est arrivée une religion qui se voulait une religion de tzniout, oui, on voit bien toute la marloquette qu'il y a autour du port du voile et des habits longs qui couvrent complètement, voire même la burqa. Et qui est entièrement tzniout et qui est tellement opposé au vol, au point qu'on coupe les mains des voleurs, et bien ces peuples-là qui avaient justement ces deux tendances-là, de Gilo Yarot et de Gneva, ils ont adopté cette religion-là. Bon, les résultats sur le terrain ne sont pas forcément probants, mais donc un peuple qui manque d'eau va adorer l'eau, et un peuple qui manque de feu, il va adorer le feu. Et comme le disait si bien Manitou, qu'est-ce qui nous manque à nous le plus fortement? Ben, c'est l'unité, et c'est pour ça que nous en parlons tout le temps. Et pourtant, c'est bien ça qui devrait nous caractériser, qui Umika Mecha Israël, Goy, Echad, Va'aretz. Donc, c'est ça qui nous manque, et c'est vers ça, c'est ça qu'il faut avancer. Et le Maharal va nous en parler plus loin. Et alors, on va en arriver là, à la ligne 65. Ubiur inyanze, et donc pour comprendre, c'est kishtaim raot asa ami oti azvu mekor mayim chayim l'artsov laim borot borot nishbarim asher lo yachilu amayim, qui mon peuple a fait deux très mauvaises choses, ils m'ont abandonné, moi qui suis la source d'eau vive, l'artsov laim borot, pour se creuser des puits, borot nishbarim, des puits en fait cassés, asher lo yachilu amayim, des puits qui fuient, qui ne contiendront pas l'eau. Parce que l'homme se choisit une divinité dont il a l'impression que c'est la divinité qui lui correspond. Il y a un peuple qui pense qu'il appartient en fait au règne du feu, ou
Et c'est pour ça que chaque peuple a choisi une divinité que fit Asher Bemarchapta, Asher Lechelka. Même s'ils savent qu'il y a une autre puissance plus forte, chez Gover, à la Koach Asherou Lechelek Shelahem, et qui pense que même s'il existe une divinité plus forte, une puissance plus forte, et qui est au-dessus de celle qu'eux-mêmes pensent être leur part, et sauf qu'Asher Bemarchapta, Shem Lechelek Otokoach, s'ils pensent qu'ils appartiennent à cela, eh bien, ils vont le faire comme cela. On le rencontre aussi pour d'autres choses. On sait très bien qu'il y a des valeurs très, très supérieures à, mais bon, on ne s'en occupe pas, on s'occupe de choses qui sont plus petites parce qu'on pense que c'est à cela qu'on a accès. Et c'est un peu cela que le Maharal vient de décrire. Il nous explique donc que l'on a ces deux ra'ot, un reshtaim ra'ot, c'est à la fin, shtaim ra'ot, qui est nam rak lechelek Hashem Yidbarar, qui ne se comporte pas comme étant appartenant à Akadosh Baruch Hu, que c'est Akadosh Baruch Hu qui leur correspond, c'est lui qui est leur divinité. Mais pire encore, et Miru Oto Belo Yo'il, ils l'ont remplacé par quelque chose qui n'a aucune efficacité, qui n'a aucune possibilité d'influence positive. Ou le Fichach Moshe Rabbeinu, c'est pour cela que Moshe Rabbeinu, c'est dans Parashat Ha'azinu, à la fin de Devarim. Ou le Fichar Moshe Rabbeinu alav shalom, gamken hayat ameh al zeh. Lui aussi, il a exprimé cet étonnement. Halot halashem tigmeluzot, c'est comme ça que vous récompensez, que vous payez Dieu en retour. Am naval velo chacham, peuple insensé et peu sage. C'est en fait, comment tu peux te comporter comme cela alors que tu devrais effectivement faire exactement ce qu'Akadosh Baruch Hu te demande, pour les deux raisons, parce qu'il est à la fois le ton maître à toi, taureau, ou il est le dispensateur des bienfaits à toi, âne, mais tu ne t'es comporté ni comme l'un ni comme l'autre. Et pour donc maintenant comprendre, c'est là qu'on va pouvoir arriver à comprendre la notion de faute. Oui, et vous avez déjà perçu que un certain nombre de discours que l'on entend de nos jours, oui, il y a des personnes qui sont capables de dire de monter en chaire dans les synagogues ou de parler à la radio pour dire que s'il se passe telle ou telle catastrophe, c'est parce que l'on a fait telle ou telle faute. Le Maharal n'est pas du tout dans cette optique-là, mais il ne parle pas du tout de faute d'individus ou de choses ponctuelles. Il parle de choses globales, de est-ce que nous nous comportons comme étant le peuple de Dieu, et que Dieu est notre peuple, ce que nous avons lu dans la paracha de la semaine dernière, Vaera. Oui. Veotseti, veitsalti, vegalti, velakarti, les quatre expression de délivrance. Oui, mais je voudrais sortir des tribulations d'Égypte. Mais je vous sauverai, je vous délivrerai de leur asservissement. Je vous libérerai complètement. Avec un bras étendu et de grands prodiges. Mais la quartier est tremliléam et je vous prendrai comme peuple. Mais il y a une cinquième expression de Géoula, veti et tremela arrête, et je vous amènerai dans le pays. Asher nasati et yadi la tête uta lachem que j'ai juré de vous donner, venatati uta lachem moracha, et je vous la donnerai pour que vous la transmettiez en héritage, pas pour que vous en héritiez. Hein. C'est pas la terre d'Israël n'est pas quelque chose que l'on reçoit, c'est quelque chose que l'on transmet à la génération d'après. Et il y a donc un lien, mais ce lien va être explicité tout le long aussi du Sefer Vaikra, qu'en fait Israël est le peuple de Dieu sur la terre de Dieu et que c'est un triangle qui n'est pas décomposable. Lorsque mes parents Aliyah Shalom arrivaient en Israël dans l'avion, mon père disait à ma mère, voilà la terre que Dieu habite. C'est à ce niveau-là que le Maharal va nous parler. Et c'est de cette appartenance-là et de la date, de ce lien intime que le Maharal va parler. Et c'est pour ça, c'est de ce genre de faute-là qu'il va dire. Parce que pas les autres fautes sont. Les autres fautes ne sont pas existentielles. Les autres fautes, bon, ça arrive que quelqu'un se trompe, fasse une erreur, ça arrive que quelqu'un transgresse Shabbat involontairement, ça arrive que quelqu'un vole involontairement, ça arrive que quelqu'un provoque un accident de voiture sans avoir fait attention, mais il n'y a pas une volonté de faire un accident de voiture, il n'y a pas une volonté de transgresser Shabbat. Ça peut arriver qu'il y ait une volonté d'autre chose, oui,
À une époque, il y avait quelqu'un qui, à Yom Kippour, exprès allait avec son sandwich sur l'esplanade du Kotel et marchait de long en large avec son sandwich pendant Yom Kippour. Et pour une personne qui méritait une visite de psychiatre, le peuple juif n'est pas comme cela. La majeure partie du peuple juif jeûne à Yom Kippour. L'aéroport est fermé à Yom Kippour. Il y a quelque chose qui est exprimé par le collectif. Et donc le Maharal continue. Et en nous disant Biurze qui colle Israël hem l'Hashem, pour comprendre cela, c'est pour comprendre que Israël appartient à Dieu. Im mitzat sheotziam la poal, d'une part parce que c'est lui qui les a créés, c'est lui qui les a façonnés. Que Moshe ha'av hu siba sheyatza aben la poal, comme de la même façon que le père est lui la raison de l'existence du fils, l'origine de la vie. V'Hashem yitbarach be'atzmo haya siba sheyatzu la poal, et Dieu est lui la base, la raison pour laquelle Israël est sorti, est arrivé à l'existence. Et c'est Aya Kasher Utsi Hashem Yitbarach Otam et Mitzrayim, c'est quand Dieu les a fait sortir d'Égypte. En Égypte, on n'existait pas. En Égypte, on était comme le veau avant de naître, quand il est dans le ventre de sa mère, et il n'a pas d'existence. C'est ce qui permet d'ailleurs le fait que le veau à l'intérieur quand il est encore dans le corps de la mère, n'a pas d'existence entre guillemets légale, mais c'est ce qui permet que si on a fait la shrita de la vache, et puis on peut manger la chair du veau sans faire de shrita. Il est considéré comme étant un des organes, comme un des membres de la mère et c'est tout. Et donc en Égypte, on ne valait pas plus que cela, et c'est pour ça qu'ailleurs, les Chachamim vont décrire l'action d'Akadosh Baruch Hu pour nous faire sortir d'Égypte à celle d'un vacher qui, pour aider la vache à veiller, va introduire sa main à l'intérieur du corps de la vache pour aider le veau à sortir. Et Akadosh Baruch Hu a mis ses mains à l'intérieur de l'Égypte pour nous aider à sortir. Et Mipol Makom, de toute façon, et c'est pour cela que l'ordre a été donné, Shlach et Beni Veyavdeni, Moïse a dit à Pharaon, renvoie mon fils, enfin, au nom de Dieu, renvoie mon fils pour qu'il me serve. Et dans la mesure où Israël est le fils, Beni Bechori Israël, Israël est le fils de l'Akadosh Baruch Hu, alors il est normal que le fils serve le père, pas dans les mauvaises raisons. Oui, il ne faut pas comprendre le mot servir au sens d'une servitude, comme au sens d'un service, volontairement accepté. Umikol makom en aben kanui lo beatzmo, mais le père n'est pas propriétaire du fils. Il y a quelques pères qui se comportent comme ça, mais comme propriétaire de leur fils ou de leur fille, mais ce n'est pas le cas. Le père n'est pas vraiment le propriétaire. Haku siba, il est la raison de l'existence du fils. Beha eved kanui leadon beatzmo, mais l'esclave. L'esclave, lui, est vraiment propriété. On sait que dans la Torah, il y a deux sortes d'esclaves. L'esclave cananéen est vraiment propriété. Il fait partie des meubles. Hashem itbarach, im sheotziam la poral, hem gamken knuyim lo beatzmam la avadim. Il y a une particularité au peuple juif, c'est que non seulement il est le fils d'Akadosh Baruch Hu, et à ce titre-là, il n'en est pas la propriété, mais il est aussi le serviteur d'Akadosh Baruch Hu. Et à ce titre-là, il est effectivement il en est la propriété. Je suis obligé de traduire comme cela. Et si vous faites attention dans la tefila qu'on dit trois fois par jour, quand on dit d'Akadosh Baruch Hu qu'il est kone hakol, c'est pas qu'il achète tout parce qu'il a suffisamment, il a une presse à billets avec laquelle il peut tout acheter. C'est une façon de dire que le monde entier lui appartient. C'est en fait le lien du peuple juif avec Akadosh Baruch Hu est double. C'est ça qui est exprimé par la comparaison avec le taureau et la comparaison avec l'âne. C'est que le lien avec Akadosh Baruch Hu est un lien de fils envers son père, mais aussi un lien de serviteur envers son maître. C'est un lien qui est réglé par les deux caractéristiques, la yira, la crainte révérentielle, et la ahava, et l'amour. Et ces deux choses-là sont là. Or, comme Israël, pour différentes raisons qu'on essaiera de comprendre par la suite, a fauté envers ces deux caractéristiques-là, la Torah, le prophète plutôt, parle à chacun des versets, il parle de façon double.
il compare au taureau, il compare à l'âne, et de la même façon qu'après il dit Israël lo yada, ami lo itbonan. Israël n'a pas su, ne savait pas, ou n'a pas su, et mon peuple n'a pas cherché à être en relation. De la même façon que les Chachamim, je continue maintenant avec le Maharal, nous disent Delet ou Mezouza, Hayou Edim, je ne sais pas, Sarti al-Bate ben Israël, Vamarti lahem, qui lit ben Israël avadim. Et donc Dieu l'avait bien dit en disant que la porte, les Mezouzot en Égypte, sont témoins que je suis passé par-dessus les maisons des ben Israël et je n'ai frappé que les maisons des Égyptiens. Là, le Maharal fait référence à ce qu'il a écrit dans Gvorot Hashem. Vous vous souvenez qu'on avait dit dès le début que le Maharal citait constamment, dans chaque livre, il citait les autres parce que tout était présent dans sa tête quand il a commencé à écrire. On va sauter un petit peu quelques lignes parce que les lignes qui suivent sont encore en développement, bon, à un niveau légèrement différent. Mais le Maharal va encore insister pour dire Alohu Asecha Vaichon Enecha. Dieu, il nous a fait et il nous a institué, c'est comme ça qu'on pourrait traduire. Ratzalomar She'echin Otra Bechol Shlemut. En fait, il t'a préparé, il t'a façonné de façon à ce que tu sois parfait. Ad Shena Asu Israël Uma Shlema Bakol. Au point que Israël est un peuple parfait en tout, comme il est dit. C'est vrai que Israël est. Dire qu'il est parfait en tout à la fin de Netzach Israël, dans un chapitre bien plus tardif que celui que nous sommes en train d'étudier, le Maharal va justement parler de cette perfection-là, dans laquelle il va dire que, au passage, il essaiera d'expliquer pourquoi les peuples du monde ont une relation tellement négative à Israël, alors que c'est parfaitement aberrant, quoi. Le Fils de Dieu. En fait, oui, le Fils de Dieu, c'est. Bon, j'ai utilisé cette expression-là, on sait très bien que les chrétiens l'utilisent pour quelqu'un qu'ils révèrent. C'est quand même intéressant de savoir qu'ils sont capables d'adorer un juif, à condition qu'il soit mort. C'est cette relation-là qui est un peu bizarre. Et le Maharal, là-bas, donc, va nous parler de cette shlemout qu'il y a en Israël. Et va nous faire comprendre que cette perfection qu'il y a en Israël, c'est pas que nous sommes parfaits dans tous les domaines. Oui, on n'attend pas d'Israël que, malgré tous les prix Nobel qui sortent du peuple juif, mais c'est pas ça la fonction essentielle d'Israël. C'est pas tellement d'avoir des prix Nobel de physique. Bon, on est très content du prix Nobel de physique qu'a eu le professeur Arosh ou avant lui Cohen Tanouji. On est vraiment très très content et très fier. On est très fiers des prix Nobel du professeur Charanover et des autres prix Nobel israéliens, mais c'est pas ça notre but essentiel. En fait, le Rav Kook dans Orot dit que Israël ou tamtzit kol ahavaya kula. Il y a en Israël un peu de chaque caractéristique de chaque peuple du monde. Et donc, si tu veux bien comprendre l'ensemble des 70 peuples du monde, ben, tu as deux possibilités. Une, c'est d'étudier tous les 70 peuples. Et l'autre, c'est d'étudier ce qu'est Israël, parce que tu vas y trouver dans ce peuple numéro 71, tu vas y trouver toutes les caractéristiques essentielles des autres peuples. Alors c'est vrai qu'il y a un certain nombre de choses chez nous. Il y a d'autres peuples dans le monde qui sont chargés de la technologie, de la musique, d'autres qualités comme cela. Bon, c'est vrai. Alors nous avons d'excellents musiciens, d'excellents physiciens, d'excellents ingénieurs et autres. Mais l'essentiel, c'est que nous sommes le peuple qui, lui, est chargé d'être béni Bechor Israël ou Asecha Vaichon Enecha. Nous sommes le peuple qui est chargé de la relation avec le divin. Alors, il y en a d'autres qui ont voulu s'y prendre. Il y en a même un qui a prétendu être le véritable Israël, Verus Israël. On a vu ce que ça a donné. Et ça, c'est ce que nous savons faire. Et malgré tout, quelque part, les peuples du monde le savent. Ils savent que c'est chez nous. Alors, il y a eu un pape qui a, il n'y a pas très très longtemps, a dit « En réalité, nous sommes la fille, l'Église est la fille aînée d'Israël. C'est notre mère, c'est d'elle que nous devons tout apprendre. Bon. » Les conséquences n'ont pas été que le Vatican nous a rendu tout ce qui est là-bas dans leur cave et qui a été pris au Beth Amikdash, et pas encore que de nous laisser tranquilles avec notre souveraineté à Yerushalayim. Mais malgré tout, quelques pas ont vaguement été faits quelque part par là.
Mais depuis l'origine d'ailleurs, les peuples du monde savaient que c'est chez nous qu'il faut venir chercher ce qui leur manque. C'est pour ça que le père d'Abraham, Terach, avait un magasin dans lequel il vendait des idoles. Comme ça, chacun pouvait venir trouver chez lui l'idole qui lui convenait. De la même façon qu'on a dit là, que certains sentent qu'ils ont un manque du côté de l'eau, donc ils adorent l'eau. Certains pensent que le manque qu'ils ont, c'est du côté du feu, donc ils adorent le feu. Eh bien, les gens pouvaient venir chez Terach pour lui demander « Bon, je viens chercher une idole chez toi, dis-moi laquelle me correspond. » Pour la petite histoire, j'ai eu une fois l'occasion d'être à Bangkok et je me souviens très bien à un moment, j'étais dans un taxi, on est passé dans une rue, comme beaucoup de rues, extrêmement animées et autres, et on est passé devant un magasin. J'ai eu un flash brusquement, j'ai cherché Abraham dans le magasin. Il vendait des idoles de toutes les tailles, de toutes les couleurs, emballées sous plastique. C'est les mêmes idoles devant lesquelles ils se prosternent et ils apportent des offrandes et autres. Je vous dis, le magasin dans lequel Terach vendait et Abraham a brisé les idoles. Ça existe encore aujourd'hui, mais bon, malgré tout, pour les idéologies dominantes, en fait, c'est chez Israël qu'ils sont venus les chercher. Et alors, toute la question va être maintenant, bon, alors, puisque c'est comme cela, comment est-il possible qu'Israël ait fait cette double faute d'une part d'abandonner Dieu, mais il aurait pu l'abandonner en ne faisant rien, et c'est l'abandonner pour aller vers autre chose. Oui, avant abandonner la source d'eau vive pour aller creuser des puits qui ne servent à rien. Oui, un peu comme la personne qui a perdu un objet, et il fait nuit, il fait sombre, il se met sous le lampadaire et il cherche sous le lampadaire. Et quelqu'un vient pour l'aider à chercher, ne trouve rien, il dit « mais tu es sûr que c'est là que tu l'as perdu ?» Et il dit « non, je l'ai perdu là-bas, de l'autre côté de la rue. » Il dit « alors pourquoi tu cherches ici ?» C'est parce qu'ici, il y a la lumière. Donc c'est faire quelque chose qui ne sert strictement à rien. Et c'est ça les borot nishbarim. Alors le Maharal ailleurs nous a expliqué que tout simplement il y a cette paire de choses, on en avait parlé lors de notre première rencontre, ce que le Maharal appelle les choses qui sont be'etsem et les choses qui sont be'mikre. Il y a quelque chose qui est be'etsem, quelque chose d'essentiel à la personnalité, à l'existence, c'est quelque chose d'essentiel du peuple juif, qui est une caractéristique du peuple juif, et à ce qui est be'mikre, quelque chose qui est contingent. Ça peut arriver. C'est bémicré, on traduirait ça aujourd'hui par hasard. C'est accidentel. Et le Maharal, ici, comme dans d'autres écrits, va faire une distinction extrêmement profonde en disant qu'en fait, chez le peuple juif, la faute est accidentelle. Par essence, le peuple juif est le fils d'Akadosh Baruch Hu, est là pour accomplir la volonté d'Akadosh Baruch Hu, comme un fils accomplit la volonté de son père, ou bien comme un serviteur accomplit la volonté du maître. Ça peut être par crainte révérentielle, par amour, ou en réalité les deux à la fois. Et donc chez le peuple juif, la nature même du peuple juif est d'accomplir la volonté divine et d'être proche d'Akadosh Baruch Hu. Et si jamais il faute, en réalité, sa faute, c'est d'avoir dérapé. C'est quelque chose qui est par hasard. L'achato, fauté, l'achato, c'est manquer quelque chose, c'est rater une cible. Oui. Et c'est ça qu'Israël peut avoir raté. Alors que, décrit le Maharal, les peuples du monde, eux, c'est exactement le contraire. Par essence, ils ne sont pas supposés être dans le giron d'Akadosh Baruch Hu, d'être les proches. C'est vrai qu'ils ont été créés par lui, mais leur fonction, leur rôle n'est pas d'assurer le lien avec le divin. Leur fonction est autre. Donc, s'ils ne font pas quelque chose qui est une caractéristique de l'appartenance au giron d'Akadosh Baruch Hu, c'est par essence. Les peuples du monde qui n'accomplissent pas Shabbat, ben c'est normal, ils ne sont pas là pour accomplir Shabbat. Alors, bon, ça m'est arrivé de rencontrer ce qu'on appelle les bonnes sœurs, des religieuses, oui, qui, d'un certain couvent, quelque part dans la région de Rouen, et à mon grand étonnement, on m'a dit qu'elle jeûnait à Yom Kippour. Personne ne leur a demandé. Je ne sais pas quelle importance ça peut avoir, quel intérêt ça peut avoir. Les béné noirs, si elles veulent s'approcher de Dieu comme des non-juifs doivent le faire, c'est en étant des béné noirs.
Donc, ils ont sept mitzvot, l'obligation de jeûner à Yom Kippour n'en fait pas partie. Il y en a d'autres, ce sont justement celles-là que quelquefois on voit qu'ils ont du mal à accomplir, comme l'institution de tribunaux, ne pas voler, ne pas tuer. C'est un peu plus rare. Et en fait, bon, voilà, c'est de ça que va nous parler le Maharal. Il va nous expliquer que donc quand on va chercher la raison fondamentale de la galoute, on ne va pas la chercher dans des fautes contingentes, on va la chercher dans d'autres choses. Et c'est ça ce que le Maharal a commencé à nous expliquer, dans un défaut dans la relation intime entre Am Israël et Akadosh Baruch Hu. C'est ça qui va provoquer la galoute. Et c'est pour ça qu'on va pouvoir comprendre quelque chose qui est déjà terminé avec ça, quelque chose qui est écrit dans Parashat Va'etranan, justement cette même Parashat, celle qu'on lit d'ailleurs le matin du Tisha B'Av, enfin celle qu'on a lue le matin du Tisha B'Av jusqu'à l'année dernière. J'espère que cette année, on lira des choses plus joyeuses. Quand Bani Matem, Lachem Elokechem, vous êtes des fils pour Akadosh Baruch Hu, c'est là qu'il y a cette interdiction bon, de se tailler à des lotit godedou. Mais lotit godedou, c'est les Chachamim en font autre chose, ils disent lotas ou agudot agudot, ne vous séparez pas. Je vous ai dit tout à l'heure au nom de Manitou, ce qui nous manque le plus, c'est l'unité, c'est donc de ça que nous parlons le plus. Altit godedou, ne soyez pas agudot agudot. Mais après, la conséquence qui est décrite dans la Torah, c'est qu'on va être envoyé en galoute. Va'avadetem sham Elohim acherim, etzva even asher lo yedaatem. Et vous allez j'ai failli faire un très mauvais jeu de mots sur la remarque qui vient d'être envoyée par chat. Alors pour conséquence de l'idolâtrie que tu as pratiquée ici, tu vas être idolâtre là-bas. Eh bien non, tu vas te retrouver chez des peuples qui n'ont pas la fonction que toi tu devais avoir. Alors tu vas te retrouver à adorer là-bas le bois de la croix et la pierre de la Kaaba. C'est-à-dire que tu vas te retrouver en exil chez les adorateurs de la croix et les adorateurs de la Kaaba, et c'est là-bas que tu vas apprendre ce que tu as raté. Et c'est par un exemple négatif que tu vas apprendre ce que tu as raté, et par la force de cet apprentissage-là, alors tu vas pouvoir revenir. Bon, je crois qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. C'est, je crois, peu de lignes, mais beaucoup de contenu. Alors, ça suffit pour aujourd'hui. On a le temps de penser, de réfléchir, de se remettre un petit peu. Et de se voir la prochaine fois. Merci beaucoup, Toda Rabba. Voilà, vous pouvez, s'il y a des questions, des remarques, c'est le moment. Bechavod. Non, je crois que... Si, ils sont obligés. Non? L'avantage de Zoom, c'est que si on est obligé qu'on ne le fait pas, on ne prend pas de coups. Top. Mais c'est d'herbe. Alors, merci beaucoup. Pas de quoi. Chodesh Tov. Bezrat Hashem, que nous sachions nous approcher de plus en plus d'Akadosh Baruch Hu. Amen. La Da'at et Hashem. Amen. Merci pour votre cours. Merci beaucoup.